Je suis sur le littoral ouest, près de ULM Cambay. Et là, je filme une flaque où on voit le soleil se refléter. Peut-être le voyez-vous. Si vous ne le voyez pas, je vais aller jusqu'au soleil proprement dit. Le voici. Alors, il creuse un peu à travers les nuages. Voilà, et là, son reflet. Alors, il y a une belle houle. Une belle houle, tout est gris, et puis il y a du le vol des hirondelles là. Elles volent bas, sans doute ça a un rapport avec le gris. Les insectes sont sans doute au ras du sol, pas loin du sol. Là, il y a un bon peu d'hirondelles dans ce coin-ci. Voilà la houle qui alimente donc ce petit bassin où se reflète le soleil comme une lune, parce que il est tellement amorti par les nuages que c'est une lune blanche. Voilà là, ce petit coin de grève non protégé par les gros galets. Après une petite plage de sable par ici. Voilà la houle se lève et ça va et se projette, voilà, tel un projectile. Voilà. Ouais, elle est belle. J'aime assez cette couleur aujourd'hui. Là, dans la baie de Saint-Paul, on voit un navire de pêche, bateau de pêche. Il fait quelques jours qu'il est là. Enfin, je ne sais pas s'il pêche, s'il fait. Enfin, il est là. C'est plus ou moins inhabituel de voir des navires de pêche là. Alors là, par contre, au loin, il y a une bande bleue, assez bleue, dirons-nous, sur l'horizon. Là, on va filmer un petit peu nos hirondelles là. Sans les suivre vraiment, elles sont là. C'est un coin où ça passe et ça repasse et ça repasse. Hein, les petites hirondelles que j'aime. Elles sont muettes, silencieuses, non? Elles sont belles, furtives. Elles ont l'aile raide. Belle découpe, profil racé. Voilà. Il y a une qui s'est perdue au-dessus de l'océan, qui revient aux épineux. Voilà la petite bande des hirondelles du faubourg. Allez, une dernière petite vague pour la route. Petite. Allez, on retourne à notre soleil. Terminados.